Et salut à tous, c'est Barzekot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la campagne du Call of Duty World War 2, comme d'habitude. Alors, avant de commencer cette petite vidéo, j'ai une annonce à vous faire. Alors, c'est une annonce un petit peu dure à vous faire, on va dire, parce que. Comment dire? Je vous avais dit que je proposerais des vidéos sur le zombie, parce que c'est un mode de jeu que j'apprécie vraiment. Et avec des amis, il faut savoir qu'on joue beaucoup, beaucoup sur le zombie pour essayer de trouver le secret nous-mêmes. Même si le secret est indiqué, donc c'est pas vraiment compliqué de trouver nous-mêmes parce que c'est indiqué, mais il y a quand même des choses que c'est assez compliqué de deviner. Et on arrivait avec un ami, on arrivait à un endroit où, vous savez, l'endroit où on est mort, où j'avais fait vidéo et puis on était mort. Donc on arrivait à ce moment et je voulais voir ce qu'il y avait après en fait, parce que après je ne savais vraiment pas ce qu'il y avait. Et le problème c'est que bah voilà, on est allé après, on est allé loin, on est allé loin, on est allé loin. Et puis on est arrivé, dernière étape du mode zombie. On arrive, on active la zone, on tombe sur le boss. Donc on savait vraiment pas comment ça allait se passer, le boss. Et puis on lui tirait dessus, on savait pas comment fallait le tuer. On voulait trouver par nous-mêmes, on voulait pas aller chercher non plus la solution sur internet. Même si c'est assez compliqué d'arriver au boss, donc j'avais grave envie d'aller voir la solution, quoi. De voir comment le tuer, parce que c'est un peu dommage d'y arriver et de mourir. Sauf que le problème est pas là, le problème c'est qu'on a même pas eu le temps de tester les choses sur la boss, on n'a même pas eu le temps de voir comment réagissait, comment ça se passait. Enfin, mon ami, sa connexion a planté et ça nous a déconnecté en fait. Donc on arrive dernière étape du secret et ça nous déconnecte quoi, on a failli faire le secret. Enfin, si on aurait trouvé comment vaincre le boss, on aurait fait le secret. Donc on est vraiment. Je suis vraiment dégoûté, j'aurais aimé vous présenter ça en vidéo quoi, parce que je pourrais faire une vidéo sur le zombie. Mais je saurais même pas comment faire pour le boss quoi. Ça se trouve, je vous présenterai une vidéo où on arriverait au boss et on réussirait même pas le secret. Donc je serais un peu dégoûté quoi. Donc c'est juste pour cette petite annonce. Donc on va commencer tout de suite la mission Dommages collatéraux. On va Octobre, débarquer en Allemagne. ex-Chapelle. Les Boches la défendent comme des forcenés car c'est la première fois que l'une de leurs villes est envahie par les Alliés. Ce ne sera pas la dernière. Ah, oh, j'espère pas. Hein. Donc on va partir en commando. On pensait Voilà. que la libération de Paris nous rapprocherait enfin de chez nous. Mais nos problèmes ne font que commencer. On se bat dans une ville à présent, Aix-la-Chapelle. Les Boches tiennent la ville avec désespoir. Je les comprends. On perfore la frontière ouest de l'Allemagne. Davis nous a ordonné de tout nettoyer, maison par maison. Il ne doit plus rien rester, comme il dit. Turner et Pearson sont incapables de s'entendre depuis qu'on est là. La fatigue commence à s'accumuler. Ok, alors je vais juste vous dire par rapport au dernier épisode qui est pas sorti à temps. Bah c'est normal parce que de toute façon ça a crashé. Comment dire, l'électricité de chez moi a crashé en fait. Donc du coup bah ça a coupé le téléchargement, enfin le upload de la vidéo. Et j'avais une mise à jour Arc en fait. Donc ça a fait la mise à jour encore priorité. Et c'était 20h. 20h fois la mise à jour Arc. Donc du coup, j'ai mis ma PS4 en veille et puis voilà. Ça a pas upload la vidéo. Ça suffit les conneries! On doit être au théâtre municipal demain à 7h30. Il est vénère, Turner. Ou à raison, je me force à croire que tu m'aimes encore si je veux rester fort. On est en Allemagne, on a changé de pays. Ah ouais, là on est en train de nettoyer la ville en fait. Comme si ça allait me rassurer quoi. Ok. C'est bon, c'est bon. Pourquoi ils avaient pas inventé les portables à l'époque?
Ok, ils sont. C'est bon. C'est bon, je regarde. Ouais, tu vois, je me prends des balles, tu vois. Eh. On est sous le feu! Demandons appui immédiat sur ligne phase 2, à vous! Bien sûr, mais ça va nous exposer sur le plan! Ok, ramenez vos fesses le plus vite possible! Bien compris, on se met en route! Émaniez-vous, c'est pas que nous réduisons en charpie! Terminé! Bon, les gars, direction le Stadttheater, première section devant nous. Position ennemie inconnue, on bascule en communication par radio et interphone. Radio activée! Abson, coupe par la droite pour rejoindre le théâtre. Il dit pas qu'on va contrôler le tank. Bien reçu, Perez. Abrams, Foul. On contrôle le tank. Nous sommes ici avec la seconde section. Couvrez ce flanc jusqu'à notre tour. Bien compris. Ça marche, Perez. Restez vigilants et faites gaffe aux fantassins aux fenêtres. Ok, Abson, en route. Ok, là c'est le canon et là c'est le tank. Hey, on peut casser. Ok, là-haut. Oh ouais. Il est violent. Ok, où ça. Où ça, en fait? Ah, là-bas. Là-haut. Là-haut. Où tu chargeais? Hunter Shrek, côté droit. On doit liquider l'infanterie ou on va se retrouver débordé. Où ça? Ah, là-haut il était, putain, moi j'ai pas eu le temps, tant pis. Y'a pas de boost. Rapson, ralentissez, je vous vois plus. J'ai la cathédrale en vue, on y est presque. Panzer, sur la droite, la droite. Ok, la droite. Rapson, où ça? Dans l'habitacle, aux écoutilles. Merde, non, non, merde. Sortez. Un tank. On va contourner. Ah putain, mais moi je comprends rien. Je me balade au calme. Ça passe par là? Ouais, ça passe. Parfait. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Elle est là. Ah non, elle est pas là. Mais il est où en fait? On doit aller où en fait? C'est pas vrai. Où ils sont passés? Ah, c'est bien sûr. Je sais pas du tout où faut aller, hein. Ah non, on va pas aller là. Ah, il est là. Il est là. Ok, en fait, faut le contourner. Il est juste là. On poursuit. Ah, voilà. A été détruit. Hobson,
Voilà, en fait fallait aller derrière. Ouais, d'où ça te chien ça? D'où ça te chien? C'est quoi ce bordel? Je suis désolé. Non mais attendez. Je regarde juste un truc. Ah non, mais de toute façon on doit retourner. On doit retourner là. Oh merde. Mais d'où ça te chien ça? Attends, mais. What? Merde, faut faire le tour. Faut faire le tour, faut faire le tour. Ok, World of Tank. L'un des hors de combat. On va encore se débarrasser du tigre. Pas question de repartir avant d'avoir détruit ce dernier char. Attends, mais d'où cette chance ça? À quel moment cette chance ça? C'est pas possible. Mais non. Mais c'est pas possible ça, mais arrêtez. Détruisez-moi ça, voilà. Allez, bordel. Ah bah voilà. Touché. Raté. Bloqueur tombé. Merde. On se fait écraser. Mais non, mais non, mais non. On va quand même plus vite, nous. Je les vois plus. Rechargement en cours. Bah voilà. Joli tir. Rejoignons la colline d'où venait le tigre. Le théâtre devrait être au sommet de cette montée. D'un coup de voile de 7 à Villa. On tiendra pas plus longtemps. Ok, bon, on arrive. Le voile de 7. Rapson s'est fait descendre. Il reste plus que nous. Nous sommes en route. Ok. On les écrase. Ah bah voilà. Voilà Clark. On dirait que l'escouade de Turban est dans la mer. Ah bah totalement. Éliminez-moi tout de suite ce panzer. On se fait écraser. On va pas pouvoir en supporter plus. Le char ennemi a été détruit. Véhicule ennemi en approche, détruisez-les! Fantassin et Panzer Shrek dans les appartements en face! Ils se retirent et lâchez pas! On y est presque! Liquidez les survivants! Là. Panzer Shrek, on détache supérieur! Oh, la vie qui nous restait, c'était abusé quand même. Et là, on est où? Juste à côté. Ah ouais, Turner. Merci pour le coup de main. La good white terminée. Bon, Perez va rester en position devant le théâtre pour couvrir notre flanc. Nous, on va pousser en direction de l'hôtel Allendorf sans soutien blindé. En route. Ok, okay, nickel. L'hôtel est un bastion nazi depuis des semaines. On doit le prendre si on veut récupérer la ville. Oh non, encore cette mitraillette de merde là. On a tous les sergents en même temps là. Je regarde où est-ce qu'il faut aller. Ah, là-bas. Allez. On peut pas passer par là, mais c'est nul. C'est quoi ce bordel? Mais non, on peut pas passer par là non plus. Mais non! C'est du troll! Surveillez les têtes! Gardez un œil sur ces vitrines! Y'a quoi? C'est pas normal, c'est trop tranquille! Restez vigilants! Gardez votre calme! Restez à couvert! Bon, les gars, je dis c'est bon, y'a personne! Hein. Moi, je dis les gars, y'a personne! Ah non! On passe avec des fumis, on passe avec des fumis. Merde.
On va le tirer, on le tire, on le tire. Accroche-toi, l'ami. Voilà. Merci. Merde. Ah, fallait vraiment aller là. Est-ce que c'est un souvenir ça? Ah non, c'est pas un souvenir, c'est un point de la colère. Trousse de secours, ok. Putain, fallait vraiment aller là, j'ai trouvé le truc tout seul. Putain. Panzer Shrek. Ah d'accord, ah ouais mais non. C'est une mauvaise idée je crois. Ah la voix est libre mais... Il y en a un qui s'est suicidé pour libérer la voix. Ah non, mais ils étaient 4, mais il me semblait qu'ils étaient que 2. Hein. Là, il me semblait qu'ils étaient que 2. Il me semble qu'il y en a un là. Bon, du coup, on va le tuer comme ça. Et un là. Attendez, ça va exploser. Le dernier, il est où le dernier? Ah, la voie libre. Parce que trousse de soin, toi. Trousse de soin. Pour le Shrek, moi je préfère pour le Shrek. Un couvert, pourquoi un couvert? Attends, on prend le lanceur. Ouvrez la voie. Voilà. Où ça? Oh là. Y'a pas une arme un peu plus adéquate et un petit peu plus avec des munitions on va dire. Aïe. Mais non, mais ça fait deux fois. Mais non. On va m'appeler le Panzer Shrek suicidaire. Ah mais y'a des munitions ici. Ah une boîte de mine, bah voilà. Y'en a pas un autre? Ah non, il est tout seul. Mister Munition là. Ah, il y a Mister Révélation, voilà, il révèle. Alors, on voit qu'il y en a 3 là. Bon, en fait. Merci. Kill. Des munitions. Voilà. Pas une meilleure arme. Une MP40, bah ouais, c'est parfait. Ah, j'aurais dû demander sur le MP40. Pas grave, y'en a déjà pas mal. Oh, y'en a 2. Pas de munitions là? Oui, monsieur. À quoi? Ah, d'accord. Ah, ça. Oh, ok, y'a quoi? Mais c'est sans doute pas une bonne chose. Daniel, qu'est-ce que tu vois? Le ciel est dégagé. Les bombardiers sont passés par là. Ah non, ouais. Qu'est-ce que vous regardez? J'ai l'hôtel en ligne de mire. Pas de soldats sur le balcon. J'en vois pas ailleurs non plus. Ouais, ça a l'air calme, hein. Pour renforcer leur défense. Ils misent tout sur cet endroit. Ouais, ça a l'air vraiment important quand même. C'est un gros bâtiment et tout. Il y a peut-être des munitions, il y a peut-être des armes à l'intérieur. On va d'abord devoir s'emparer de cet appartement pour écrouiller le poche. On va le nettoyer pour couvrir nos arrières avant de passer à l'hôtel. En formation. Daniel, Zussman, vous ouvrez la voie. On y va. Ok. J'espère qu'il y a personne. Restez sur vos gardes. L'appartement pourrait grouiller d'Allemands. À mon avis, ils sont dans tout le quartier. Ah, j'espère qu'il y a rien. Hein. Eh, pas avoir les balles partout, hein. Ah bah j'ai tout cassé. Ah j'ai tout cassé. La voie est libre. Ah non, mais c'est pas en allemand ça. Désolé. C'est qui, Turner?
tous les tirs, ils ne sont pas tolérés. J'ai tiré sur qui? J'ai tiré sur qui? Mais non! La voie est libre! En avant, restez vigilants. Daniel, on a encore besoin du lanceur. Gaffe, ça va péter. Bon voilà. J'ai tiré sur qui avant? Je vois rien du tout. Ouais, j'ai pris des munitions, munitions. Voilà aussi. Oh non! Ah bah. Ah, c'est au moment où on dit qu'il faut pas avoir le mal partout que ça y est là, il y a des boches partout là. C'est le bordel. En fait si, faut avoir le mal partout. Voilà. On les a grenadés là. En bas. Ok. Il en reste un. Ah ouais, on le voit pas trop avec la avec le reflet. Voilà. Qui a des fumigènes, des grenades? Des grenades, ah voilà. C'est lui. On va falloir l'enfoncer surtout. Ouais. Ah ouais, genre moi je suis plus fort que tout le monde moi. Ah non, je crois que c'était un Allemand. Merde, il a tué l'allié avant qu'on ait le temps de sauver. On va le contourner. Ah mais y'en a un autre. Ah ouais, mais fallait le dire. Moi je pensais que j'allais contourner l'autre et tout, j'allais arriver dans son dos. Ok. Trousse de soins, cool. Putain, elle est... Je sais que ça sert à rien, mais c'est au cas où ça les fait bouger, vous voyez. Voilà, j'en ai eu un. Allez, des mules. Il y en a un qui donne une trousse de secours. Ouais, vas-y, la trousse de secours. Allez. Ah, allez, voilà. Ok, bon, on a libéré tout cet endroit. Ça pourrait faire un petit souvenir, ça. Hein. On doit aller où? J'ai pas compris où on doit aller en fait. Là on a des trousses de soins, c'est déjà ça. Ouais mais non. Je sais pas où est-ce qu'on doit aller. Non. Ici? Ouais, ici. Ok, on y va. Ici aussi. Descendez. Ça ressemblait bien à l'endroit où fallait aller. Ah, on descend. On devrait garder un spot de tir extérieur. Le frein et prends le volant.
Vas-y, pousse. Il reste de l'essence. Il y a du jus. Du coup, un baby. Lieutenant, je crois que je pourrais démarrer. Ok, on y va. Oh, ok. Ah, mais c'est que ça bloquait vraiment le chemin, j'en pouvais même pas contourner rien. Daniel, c'est encore un mur. Perce-moi ça. Ah, d'accord. Reculez. Ah, on prend des Shrek encore. Il y en a d'autres, c'est des Allemands. Il y en a plein. Mais je prends les... la carabine, ouais. Ah ouais, mais non. Ça va pas être possible là, si ça focus que moi. Là, c'est la dernière étape de la mission. Là. Attendez, il y a des munitions pour le faire, je crois. Une touche de là-haut, quoi. Eh, mais c'est chaud, hein. Eh merde. On parle des trick shots et tout là. On doit nettoyer le hall. Mais il y avait une trousse de secours ici. Allez où? Avant. Dans le temps. Ah, elle est là. Aïe, mais je l'ai prise d'où la balle? Oh ouais, d'accord. Ok, là ils y verront vraiment rien. Aïe. Je crois qu'ils étaient plus loin, moi. Avez compris. Panzer Shrek. J'arriverais mieux à tirer de loin avec ça. Ok. Là, il est là. Mais non, mais mec, il est pas censé me voir là. Là-bas. Ok. Les alliés, ils gèrent. Ok. Je sais, mais j'abandonne pas les alliés. Ok, trop de soins. Mais voilà, mais putain, je sais. Et même 30 loups va feu. C'est un fusil à pompe. Elle a les ET-40. Ah, c'est une balle par balle, les séquences. Je sais, bordel, arrête de le répéter 40. Qui veut? Ok, Zussman, aide. J'y vais en rampant. On nettoie. Ok, y'a plus personne. C'est quoi? Indiquez-moi où il se trouve. Daniel, tu dois atteindre. Ok, c'est bon. Ok, putain, la chance.
Munition mec, munition mec. Munition. Fais une munition. Mais les radins quoi. Ah mais la munition aussi. Ça j'ai pas besoin de toi. Ah, je m'en fiche, moi je passe par là moi. Ah c'est des alliés ça. On regarde un peu ce qu'il y a. Ah bah des trousses de soins tu vois. Bien fait de passer par là. On peut aller en haut. Ouais, carrément. On peut carrément aller en haut. Hein. Voilà. C'est quoi ça? Oh, carrément. Alors, ils avaient même prévu des tables et tout. On peut. Comme ça en haut, ouais. Je sais pas si on pouvait passer par tous les côtés. Si on pouvait passer en haut et tout. Si j'ai pris le vrai chemin. Si vraiment il y avait plein de chemins possibles. Ça, je vois des trousses de munitions, tout ça. Je sais pas si c'est pour faire réaliste ou. C'est genre vraiment. Ils ont vraiment mis. Ah, mais y'a quoi là? Ah, je pense que c'est un spawn ennemi. On n'est pas censé y aller. Bon, on va redescendre, on va faire la mission. Ah oui, d'accord, c'est vrai que j'avais oublié que dans ce jeu, qu'on prenait des. Enfin, dans le mode campagne, qu'on prenait des dégâts, on le régène pas. Bon, c'est pas grave. J'ai trouvé la cachette parfaite pour toi. Va te faire voir. Pourquoi? Ouais, j'avoue. Allez, à moi la porte. C'est moi le BG. Lumière. Ah, il y a un bébé. Ah, une petite fille. Quelqu'un a du chocolat? J'en ai. Je parie que vous avez faim. Allez, tenez. Anna! Oh, 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 oh! Tout va bien! Tout va bien! On vous veut pas de mal. On vous veut pas de mal. Ah, ma chère. Ma soeur. Pitié. Aidez-nous. Les renforts Bosch peuvent arriver à tout moment. On n'a absolument pas le temps de materner des sisiles. Elles sont que deux. Chef. Vous devriez venir voir. Oh ouais. 50 civils. Merde. On est passé devant un camion tout à l'heure. Et revenir avec et les sortir de là. Sauf votre respect, notre mission était de sécuriser cet hôtel. Je parle pas Bosch, ma belle. Tu parles Bosch? Et t'avais l'intention de nous le dire? Bon, on va évacuer ces civils. Daniels, Aiello, allez chercher ce camion. Rendez-vous du côté ouest de l'hôtel. En route. Je me demande ce que tu caches d'autre, Jusman. Foutez-moi la paix. Comme il a appelé. Herr Jusman. Herr, ça veut dire monsieur en allemand. Que vous aurez pas compris. En fait, il est juif allemand. C'est juste qu'il voulait pas révéler son côté allemand. D'accord. En même temps, je comprends. Hein. Vu ce qui leur est arrivé aux juifs, il a pas trop envie de dire. C'est un peu honteux, quoi. Parler la langue de ceux qui les exterminent. C'est comme ça que ça marche. Mais bon, il a le droit, hein, il a le droit de parler plusieurs langues, hein. C'est une culture. Il a le droit de s'instruire. Voilà, il est juste là le camion. Okay. On aurait pu leur demander de sortir. Hein. D'accord, on couvre. Pourquoi on va en avoir pour bien longtemps? Oh merde! Non, pas dans le camion, pas dans le camion quand même. Moi je pensais que c'était la dernière étape de la mission, moi. Wouah! Mais oh ouais, d'accord, ça part sur du one shot. Ok, y'en a un qui arrive là. 3, 2, 1. Pré-shot! Allez hop, plus pré-shot. Voilà. C'est bon, il n'y a plus de half-track. Oh, mais regardez où est-ce qu'on aurait pu aller. Monter. Ah, d'accord. Il m'a gâché mon plaisir. Ah non, on doit monter à l'avant. Ah, c'est nous qui conduisons. Ah non, on s'accroche juste. Allez. On va tirer ou pas?
Mais tu vas où, mec? Ah voilà, je tourne ici. Ils ont fait évacuer les civils ou pas? Il va où? Il va où, le mec? On aurait pu s'arrêter là, en vrai. Hein. Que sa sœur a dû retourner au sous-sol. Eh ben, elle peut y rester. On doit tirer tout ce monde de là. Allez. Non. Qu'est-ce que je viens de dire? Tu as 2 minutes. Je viens aussi. Non, juste Daniel. C'est trop dangereux. J'ai besoin de toi pour couvrir le périmètre. Oui, ok, chef. Go. Dépêche-toi de revenir. À vos ordres. Go, go, go. La gamine. T'as des connes aussi, elle. Elle est conne à se barrer, elle est où? Ouvre. Il n'y a pas d'allemand, moi. Putain. Il n'y a pas d'allemand. Mais pourquoi il y a des allemands? Aïe. Il va tirer dessus. Ah oui, il va tirer dessus, très bien. Ah mais très bien. J'ai spamé carré pourtant. Voilà. Aïe! Aïe! Oh, wow! Ok. What? Il tire à travers. Ok, go. Et merde! Hey, t'es là. Je dois trouver Anna. Elle est là, je suis sûr. Ah non. Elle doit être ici quelque part. Ah, j'avoue. Mais en fait, pourquoi? Pourquoi il y a des meubles derrière? Allez là. Hé, hey, petite. Viens. Retournons voir ta sœur maintenant. Viens là. Ok. On peut pas passer là. Ok. Arrêtez, tirez pas. Ah ouais, vous avez été capturé. Ah ouais. Je pensais que c'était partie de la mission, genre qu'il y avait exprès plein de soldats à l'allemand et qu'on pouvait pas se faire. Qu'on pouvait pas, tu vois. On peut monter, genre là, non, absolument pas. Ce qui est logique. Ok, donc il y en a un là. On le gruge. Un là. Voilà pour toi. Il y en a un là. Oui, t'as peur, et alors? On peut enquêter un. Non, on peut pas. Wir sind nicht allein. Nous ne sommes pas seuls. Je fais la traduction. Ça va aller. Putain, merde. Pourquoi il regarde là, mec? Parano, va. Merde.
Fais pas chier la gamine. Wir werden angegriffen. Rauf sofort. Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Ich sais pas ce qu'il a dit. Gaspard, tu l'as appelé Gaspard. Très bien, on y est presque. Ouais, moi aussi j'ai peur. Une dernière fois. Ah. Oh putain. Ah ouais, ils sont en train de distraire les Allemands. Ça va aller. Oh putain. D'où est-ce que tu viens ? Pas le choix. Modiolo activé, Modiolo. YOLO. Non, pas Modiolo quoi. Ok, il tire sur les civils. Par ici. Crie pas, Gavin. Allez, voilà. Et ben voilà, on ramène Anna. Ben voilà. Anna. Merci. Ok, il peut se débrouiller. En route. On les escorte à poids, c'est tout. Personne a raison. Si on vient avec eux, on risque d'attirer les tiens. Ça me paraît trop risqué. Soldats Sussman, on sécurise cette rue et on les évacue, c'est compris ? Oui, j'ai bien compris, mais seul, je pense qu'ils seraient plus en sécurité. Si on laisse les Allemands reprendre cet hôtel, tous les nôtres dans le secteur seront en danger. Ouais. On a l'avantage. Allez, faites-les monter, vite. À vous de voir. Tous à vos positions ! Ok. On va défendre les civils, là. Y a des chiens, allez. Oh ouais. Ça part carrément sur un délire de... Ok, what? Ça part sur de l'allemand, là. Ça part sur du Bosch, hein. Du gros Bosch bien violent. Ok. C'est bon, plus rien. Ok. Ils ont tiré sur le camion. Oh non. Oh non, c'est con. Oh non, on bouge. La pauvre. Hey, on peut plus rien faire. Oh non, la pauvre. Oh non, je suis vraiment triste. Hein. Ouvert un passage occidental vers le Rhin. Mais le fossé entre Turner et Pearson est plus large que jamais. Et c'est bien plus que nos vies qui reposent entre leurs mains. Ouais, bon, on a fini la mission. C'était vraiment chaud. À la fin, c'est triste. T'es pas obligé de mettre ça. T'es pas obligé de mettre la meuf qui se fait tuer à la fin. Hein. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Ah ouais, là, on entend. Là, c'est des petites percées dans l'Allemagne. Voyez, on libère pas. C'est pas là comme la France où il y avait des libérations. Vous voyez, des grandes zones comme ça. Là, c'est des petites percées. Là, c'est différent. Bon. Bah écoutez, hein, c'était une mission assez chaud quand même, on a libéré des civils qui étaient retenus prisonniers en bas, enfin. On voit que les Allemands ils font vraiment des prisonniers, hein, comme vous le savez, ou que vous ne savez pas avec les camps de concentration, tout ça. Là ça devait être à mon avis des prisonniers qui n'étaient pas encore emmenés dans les camps. Bon,
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous regarderez les autres, bien sûr, avec toutes les autres missions de la campagne qui sont toutes aussi excellentes. Celle-là n'était pas vraiment... Sauf le pilotage de tank. Piloter le tank était vraiment stylé. Mais celle-là, comparée aux autres missions, bon... Moi, ce sera jamais aussi bien que la mission du train, que la mission de la libération, ou même que la mission du débarquement. Je pense que ça... Là, ça... Ah, on peut pas faire... On peut plus refaire là-bas. Ah, si, on peut. Attendez, c'est bizarre, regardez, là ça les sélectionne et elle, hop, ça la sélectionne pas. Ah, on peut pas la faire, on peut plus la refaire. Je ne sais pas pourquoi. Et celle-là, cette semaine depuis le... Celle-là on peut la faire. Bon, je sais pas. On me dirait pourquoi. Bon, je pense qu'on va se laisser ici pour cette vidéo. Écoutez, abonnez-vous pour voir les autres vidéos de la campagne qui vont sortir. C'était Berzekot, je vous laisse là-dessus. Allez, à plus.